association, elle est née dans les années 2000. Et donc, elle a pour but de préserver la qualité de vie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on est situé à 15 km à peu près, on est au milieu, à 15 km de Savenay et 15 km de Nozay. Et on est à 35 minutes de Nantes. Au départ, on a mobilisé les riverains de la Nationale 171 qui passent ici. Ensuite, on a mobilisé d'autres personnes qui sont moins touchées mais qui sont conscientes du problème et solidaires. Qu'est-ce que c'est exactement pour vous ces mises en scène ? Alors c'est surtout le trafic de camions. Depuis le développement du bassin nazérien, ça ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, il faut compter 2500 poids lourds par jour qui passent devant chez nous. Là. Et c'est devenu insupportable. Alors, la difficulté aussi, c'est de sortir de chez soi et d'être en sécurité. Alors ce que l'on regrette, c'est que nos sociétés précédentes n'ont pas anticipé cette évolution. Ce que je pense quand même que gouverner, c'est prévoir. Parce qu'ici, la nationale, le trafic fait que les gens, ils n'ont pas qu'à penser aux gens de Blin ou Blinois. Hein. Ils pensent à leur travail et puis il faut que ça file. Ben, c'est une grosse question de sécurité. C'est surtout ça le problème. Parce qu'ils ont peur que tôt ou tard, il y ait un drame. Nous sommes toujours sur la RN 171. Voilà. Et là, on arrive dans la rue de la Croix-Rouge, qui est la plus difficile pour les riverains. Quoi. Parce que là, la rue est encaissée. Et les gens sont exaspérés, hein. Je pense que vous allez en rencontrer. Et comme vous pouvez voir, je vis ça tous les matins, tous les soirs, pour rentrer de chez moi, pour sortir de chez moi, pour emmener mes enfants au collège à 8h le matin. Une circulation infernale entre les camions, les voitures. Je suis obligée d'avoir les deux voies pour sortir parce que c'est pas très large. Et des fois, je mets plus de 5 bonnes minutes à sortir de chez moi. C'est très difficile. C'est également vraiment dangereux parce que des fois, il faut partir juste au moment. Elle a été refaite il y a 2-3 ans, la petite maison blanche. Et aujourd'hui, elle est grise comme si rien n'avait été fait. En termes d'image, pour tous les gens qui ne connaissent pas Blin, ils arrivent à l'entrée de la ville. Et on voit des maisons qui sont noires, qui sont sales pas parce que les gens ne les entretiennent pas, mais qui sont sales du fait de la pollution. Quand vous êtes aussi en vélo, pareil, vous avez des endroits où c'est très compliqué de traverser, échanger avec les voisins, il faut monter le son pour discuter avec le voisinage. Enfin voilà, il y a plein d'éléments. J'ai voulu traverser un tout petit passage piétonnier. Et j'ai une voiture qui m'a, dans le flot de la circulation, qui m'a renversée. Et j'étais pendant 2 mois à l'hôpital. Je n'ai plus du tout la même vie qu'avant. Je ne peux plus me promener, je ne peux plus jardiner, je ne peux plus faire mes courses. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous le contournement de Blin ? Le contournement de Blin, ce n'est pas un sujet récent. C'est un sujet qui date de plusieurs municipalités et qui est pour notre municipe à nous quelque chose d'important. Pour plusieurs raisons. D'une part, favoriser le désenclavement de la ville de Blin et son développement économique. Pour tout ce qui est nuisance des riverains, le bruit, l'olfactif avec les camions et puis le risque accidentel sur les principaux carrefours. Donc la municipalité a bien conscience de tous ces dangers et vous me le disiez donc tout à l'heure, vous ne restez pas non plus inactif puisque là on est à un carrefour qui nécessite de la sécurité et vous allez y faire un rond-point. Alors il y a deux axes pour lesquels c'est important pour la municipalité, c'est le contournement en tant que tel qui est donc un projet et puis l'aménagement du tronçon existant. Puisque aujourd'hui, on sait qu'on vivra encore avec un certain nombre d'années sur ce tronçon existant. Et certains aménagements, comme des passages protégés pour les piétons, comme derrière nous, l'aménagement d'un rond-point dans les mois qui viennent. Depuis le début de l'association, on s'est toujours battu pour que les élus s'impliquent. On a cherché à les impliquer dans le mouvement. Malheureusement, à plusieurs municipalités successives, il y a eu un manque de détermination et de volonté des élus locaux, ce qui n'a pas arrangé en fait la mobilisation des élus supérieurs.
et des services de l'État, parce qu'à partir du moment où dans une commune, les élus ne sont pas motivés pour arriver à un résultat, un contournement, ça ne se fait pas en claquant du doigt. Parce que sur Châteaubriant, ils ont été très mobilisés, les élus, et donc ils ont eu un résultat dans un délai relativement court. Sur 7-8 ans, ils ont eu leur contournement. Châteaubriant est désormais entièrement contourné. D'ailleurs, sur l'axe de la 171, il n'y a plus qu'autour de Blain, qui nous manque les aménagements d'infrastructures, et c'est regrettable. Mais il faut aussi que les habitants soient un peu plus mobilisés. On aurait besoin de plus de soutien. D'accord. Voilà. Un contournement doit prendre en compte toutes les routes, c'est-à-dire qu'elles passent par le nord-ouest de Blain, et non pas vers, derrière la Groulet, qui est un site classé où il y a des grosses difficultés pour réaliser des infrastructures à cet endroit. Il faut attendre l'étude de tracé, et après on se positionnera. Mais on a la chance d'avoir une municipalité qui est sur la même ligne que nous par rapport à ça. Et en 74. Et en 74 ici. Vous avez toujours eu ce problème de... Non. Au début, on n'avait pas toutes ces circulations. Et là, c'est de plus en plus. C'est de plus en plus, quoi. Il y a beaucoup plus de transport par la route maintenant. Les nuisances, la pollution, quoi. Oui. Le problème aussi, moi, c'est à l'étage, au niveau des tremblements, parce que les vibrations au début, oui, mais maintenant, ça devient que la question. Et puis là, au niveau du revêtement, c'est pas normal que ce soit pas entretenu comme ça, parce que ça, c'est à ce niveau-là, quand il arrive du pont, là, bon, il y a certainement un vide ou quelque chose, il y a un affaissement. Plus intense ici, puisque ça se répercute dans les chambres à l'étage. 9 rue de la Croix-Rouge, juste avant le pont du Canal. Et on est donc dans la continuité de la RN 171. On est dans l'entrée de Blain. Donc là, on est dans votre domicile, oui. Donc votre maison est au bord de la route et on entend très très bien quel feutre est votre porte d'entrée. Malgré ça, on a pu faire un petit plan tout à l'heure. On voit la pollution qui est rentrée dans la maison. Là, on voit qu'on a effectivement du mal à s'entendre dans les canons basses. Tout à fait. C'est vraiment c'est invivable. On a des tremblements, enfin des vibrations très très importantes, l'insécurité, parce que moi je l'ai vécu, j'ai un camion qui s'est coincé sous mon balcon, j'ai ma clôture qui était une clôture qui datait de l'âge de la maison et qui a été cassée à 3 reprises, j'ai eu une voiture qui est arrivée dans la place. Je ne suis pas gêné par la circulation sur la RN 171. Par contre, je suis sensible aux 4 départementales qui traversent l'agglomération, dont les nombreux camions citernes, semi-remorques, traversent les rues du centre de Blain. On passe dans le centre de Blain parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Et c'est pour ça qu'un contournement global de l'agglomération améliorerait et résoudrait ce problème dans Blain. Un contournement global serait aussi un gage de dynamisme pour le commerce local, car il permettrait sans doute d'améliorer les rues de Blain. J'ai le privilège d'habiter un quartier bien calme, à l'abri des nuisances, et je veux apporter mon soutien à un projet que je qualifie de très positif, et aussi ma solidarité à tous ceux qui subissent les nuisances qui sont intolérables dans ce flot de circulation de milliers de voitures et camions chaque jour. Et je considère qu'un projet comme ça apporte une contribution importante au développement de Blain, développement sous toutes ses formes, le développement économique, le développement démographique, le développement culturel. C'est-à-dire que les piétons, en particulier pour les cyclistes, et en particulier pour les cyclistes qui ont une famille avec des enfants, c'est impossible. Il vaut mieux, le pari, il vaut mieux jouer à la roulette russe que d'essayer de traverser le pont des enfants. Et les gens me voient.
il y a un passage clouté matérialisé et personne ne s'arrête. Donc moi tout seul ça va, j'arriverai à me faufiler entre les voitures. Les cyclistes avec des enfants, c'est impossible. Je me pousse. Quand il y en arrive un comme ça et un autre dans l'autre sens, bah, quelquefois ils sont trop larges et ils montent sur le trottoir. Oui, il y a déjà eu un accident. Oui. Enfin, pas mortel, mais on va pas attendre le suivant. Alors le point noir bruit, c'est une définition qui correspond à un secteur où les décibels sont pas respectés, la réglementation européenne n'est pas respectée. Il y a une directive de 2002 qui impose aux États de résoudre la difficulté de l'onde nationale où il ne doit pas être dépassé de 70 décibels. Et ici à Blain, on a deux rues qui sont classées point noir bruit depuis le début de l'année. Ça veut dire que l'État est contraint de prendre des mesures pour résoudre la difficulté chez les riverains. Il y a eu des pics à 98, une centaine de décibels. Là, nous sommes ici sur un lieu quand même agréable pour Blain. On a sur Blain pas mal de sites. Le château à côté, le château de la Groulet, où il y a des rencontres médiévales, où il y a des gens aussi qui vont se balader. Le dimanche, le samedi. Il y a une activité assez importante ici au port toute la saison estivale. De l'autre côté, on a la forêt du Gavre, 4500 hectares. Le long du canal, on a aussi le prolongement de la Loire à vélo. Bah écoutez, oui, je pense que ça serait quelque chose de tout à fait intéressant pour la commune, parce qu'on voit bien qu'il y a des engorgements de circulation, que ça rend la fluidité du trafic difficile, et nous sommes à peu près persuadés qu'à partir du moment où un contournement serait bien géré, ça pourra être dynamique pour la ville. Ça reste une problématique chez vous ? Alors, je pense que ça reste surtout une inquiétude. On discute souvent entre commerçants, artisans à ce sujet. Il y a effectivement une inquiétude, en tout cas un souhait de faire en sorte qu'à partir du moment où il y aura ce contournement, il soit bien sûr étudié avec précision, le fléchage, l'aménagement du centre, tout ce qui permettra d'être certain d'éviter une perte de chiffres. Et je crois qu'à Valette, ça a fonctionné effectivement grâce aussi aux aménagements que ça a permis de faire. J'en reviens bien à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un contournement, on peut se mettre à penser la circulation en ville, le centre-ville, les zones commerciales de manière beaucoup plus pertinente. Ici, on est sur le rond-point de l'Écluse à Blain, donc. Et c'est l'endroit stratégique du croisement de la RN 171, la route nationale, et de la route départementale 164, donc Redon-Ancenis. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, donc deux axes importants où beaucoup de véhicules circulent. Combien sur chaque axe ? Donc là, on a sur la nationale, on a 13 000 véhicules jour, tous les jours. Et sur l'autre route transversale, on a 7 700 véhicules. Et donc, au total, ça représente à peu près 2500 camions. 2500 camions chaque jour, tous les jours. Voilà. Des chiffres mesurés par les services officiels de l'État. Mmh. Et ils ont fait une projection par le bureau du CIREMA qui indique à 10 ans 31 000 véhicules dans Blain chaque jour. L'association Blain Contournement, c'est une association blinoise qui milite pour le contournement de Blain et l'aménagement des infrastructures. Elle milite pour l'aménagement de la RN 171 sur tout son tracé. Donc l'association RN 171, elle regroupe des élus de toutes les communes traversées depuis Laval jusqu'à Saint-Nazaire. Nous, on a une philosophie constructive, donc on fait des propositions. On n'est pas dans une contestation permanente. On veut un contournement et puis on va partout où il y a des décisions de prise pour pouvoir faire entendre notre voix. Où en sont aujourd'hui les projets d'aménagement routier ? Donc la nationale 171, aujourd'hui, elle est presque terminée au niveau de son aménagement. Il ne reste plus que 8 à 10 km et c'est autour de Blain, dont le contournement de Blain. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie ? Une sérénité, je pense, une tranquillité pour beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça devrait être quand même plus calme. Ouais. C'est normal qu'il y ait de la circulation, mais à ce point-là, non, là, c'est pas normal. Très bien quoi. On a tout pour bien, sauf qu'on a cette circulation qui nous pourrit la vie.